Je vous salue dans le précis nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, et je bénis le Seigneur pour l'intérêt que vous manifestez pour cet enseignement. Cet enseignement est capital. Cet enseignement est très important. Nous avons entendu beaucoup de choses sur la délivrance, beaucoup de choses, et il y a eu beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs, de faux pasteurs qui se sont introduits sournoisement au milieu de nous, avec un message de la délivrance, parce qu'ils savent que les gens ont des problèmes. Il fallait prêcher la délivrance, mais le but était de soutirer de l'argent. Nous bénissons le Seigneur, parce qu'il permet à ce que nous puissions amener le vrai message, centré sur la personne de Jésus-Christ, basé sur les écritures, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà pourquoi nous vous bénissons, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis pour vous tous qui suivez ces enseignements. Ça fait un, pour, un bon moment, nous avons commencé déjà avec ces enseignements. Vous pouvez retrouver tous ces enseignements sur les nets et ça va vous faire beaucoup du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier pour continuer notre enseignement. Soyez bénis, Seigneur, sois bénis notre Dieu pour ta bonté et ta miséricorde. Sois béni pour l'occasion que nous avons de partager encore ta parole. Sois béni pour ta paix. Sois béni pour ton Saint-Esprit. Sois béni pour la sérénité que tu nous donnes. Sois béni pour ton onction. Sois béni pour la connaissance. Sois béni pour la puissance. Sois béni, ô oh Dieu de gloire, pour ces cadres. Ô oh Dieu de gloire, tu permets enfin que ton peuple soit délivré. Tu as vu le problème de ton peuple. Tu as vu, ô oh Dieu de gloire, ce qui est en train de déranger ton peuple. Et tu as envoyé ces messages à propos. En fait, que ton peuple soit libéré parce que tu veux un peuple libre. Nous te bénissons au nom puissant de notre Seigneur. Nous te recommandons ces moments. Prends contrôle de tout au nom puissant de Jésus. Que tout esprit te soit soumis au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à parler sur le quatrième chapitre, qui est tout simplement la séance des délivrances. Et nous avons dit, frères bien-aimés dans le Seigneur, peut-être quand je dis séance des délivrances, vous êtes en train de le voir de loin, mais laissez-moi vous dire, il y aura des moments où vous allez vous aussi participer, entrer en action. Peut-être vous serez en train de prier, vous avez allumé un grand feu dans la prière et qu'il y ait un démon qui s'est manifesté. Vous serez obligé de chasser ces démons parce que Dieu vous a donné le pouvoir et il vous a revêti de son autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne devez pas hésiter, vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas trembler, vous ne devez pas hésiter, vous devez agir. Parce que Dieu compte sur vous pour libérer son peuple. Il vous a libéré, enfin que vous aussi vous libérez. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur peut Laissez-moi vous dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes qualifié, même si, même si je dis bien. Vous êtes un bébé spirituel, même si bien aimé dans le Seigneur. Ça fait pas longtemps que vous vous êtes converti, mais laissez-moi vous dire, vous avez avec vous l'autorité de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La séance de délivrance, je dis c'est une confrontation directe. Je dis bien une confrontation directe entre les enfants de Dieu et le monde des ténèbres pour déloger Satan, pour briser les liens pour enlever des gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est une confrontation directe, bien aimé dans le Seigneur. Là, il n'y a plus de semblant. Là où il n'y a plus à esquiver. Soit vous êtes un enfant de Dieu, soit vous n'êtes pas. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours être prêts. Et il ne dit jamais que non, le problème de la délivrance. Le problème de ceci, cela concerne le pasteur. Ça ne concerne pas que le pasteur, que le prophète ou l'apôtre ou le docteur ou l'évangéliste. Ça concerne tous les enfants de Dieu. Là où vous êtes, vous pouvez agir. Voilà pourquoi je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens avec quelques conseils en se conformant, en se conformant à la parole de Dieu. Et en se limitant aux limites que les, la parole de Dieu nous, nous dit. Et aussi par l'expérience que je, des choses que je vis, des choses que j'ai entendues. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai participé et par la grâce de Dieu, je fais beaucoup de délivrances. Alors, je vous dis d'abord quelques conseils et après, nous allons voir aussi quelques cas de délivrance pratiques que nous avons fait. Et ça va aider tout un chacun de nous à nous fixer. Il faut respecter les principes bibliques pour chasser facilement un démon. Donc voici quelques conseils. Vous avez la responsabilité, bien aimé dans le Seigneur, de respecter les principes bibliques parce que si vous respectez le principe biblique, ça sera facile pour vous de chasser les démons ça sera facile pour vous de briser cette malédiction ça sera facile pour vous d'opérer cette délivrance en nom puissant de Jésus. Mais lorsque le principe biblique ne sont pas respectés là ça devient de l'exorcisme je ne sais pas moi euh, euh, de ce monde où je ne sais pas moi des pratiques, euh, voilà, je ne ne suis pas dans ça et je ne veux pas que vous puissiez tomber dans des panneaux comme ça. Respectez le principe biblique. Respectez ce qui est écrit. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous en sortir. Vous allez peut-être dire, mais pourquoi le frère nous parle des séances de délivrance Parce que cela est de la responsabilité de nous tous. J'ai dit, vous pouvez être à la maison en train de prier et qu'il y ait une manifestation. Démoniaque, vous devez agir. Vous pouvez être dans votre maison et puis commencer à prendre l'autorité pour briser les œuvres du ténèbre dans la vie d'une personne. C'est pour cela il faut que vous soyez équipés, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que vous puissiez avoir des repères bibliques. Et nous sommes là par la grâce de Dieu pour vous communiquer la parole et la pensée de Dieu. Alors, voici quelques conseils. Lors des séances de délivrance, lorsque vous êtes en train de faire une confrontation directe avec le monde des ténèbres, lorsque vous avez avec vous un cas de manifestation démoniaque, voici quelques conseils que je vous donne. Premièrement, les démons sont chassés dans la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, n'utilisez pas le nom de votre pasteur. N'utilisez pas le nom de votre ancêtre. N'utilisez pas le nom d'un patriarche de la Bible. Le démon ne partira pas. Vous devez utiliser, je dis, uniquement le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ nous suffit amplement pour chasser les démons. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous êtes réellement converti. Bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez chasser un démon juste en utilisant le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est une arme lourde. Le nom de Jésus, c'est un obi. Le nom de Jésus, c'est un vrai yana. Le nom de Jésus, c'est un vrai missile. Lorsque ce nom est cité, les démons sont en déroute. Voilà pourquoi je vous conseille... Dans tout ce que vous allez faire comme délivrance, n'utilisez que le nom de Jésus-Christ. N'ajoutez pas de l'eau, n'ajoutez pas de sel, n'ajoutez pas de bougies. Comme on m'a relaté l'histoire, on chassait les démons dans la vie d'un homme. On a pris les bougies et on commençait à déverser sur lui les laves des bougies. La personne criait de douleur. Et on dit que non ces douleurs là, ce sont des démons qui sont en train de fuir, ce sont des démons qui sont en train de souffrir. Ça c'est faux, ça c'est anti-biblique, bien aimé dans le Seigneur. Restons dans le limite de la Bible, utilisons ce que les apôtres, ce que notre Maître le Seigneur Jésus-Christ nous a montré. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Deuxièmement. N'associez jamais des pratiques extra-bibliques pour chasser un démon. Je suis en train de le dire. N'associez pas des pratiques extra-bibliques pour chasser un démon. Vous, que vos pasteurs vous ont donné des bracelets, vos pasteurs vous ont donné des pochettes, vos pasteurs vous ont donné, je ne sais pas moi, des foulards, vos pasteurs vous vendent de l'eau, vos pasteurs vous vendent de l'huile d'onction. Vos pasteurs vous vendent je ne sais pas moi quoi. Vous n'avez même pas besoin de toutes ces choses. Je suis en train de vous dire, si vous en avez à la maison, allez jeter ça à la poubelle. Ça ne vous servira à rien. Au contraire, vous êtes en train d'attirer la malédiction dans votre maison. Parce que en quoi cela est-elle biblique, bien-aimé dans le Seigneur? Où est la place de toutes ces choses dans la Bible? Et très souvent, vous voulez chasser un démon, vous partez prendre de l'huile d'onction de votre pasteur, vous, vous prenez de l'eau de votre pasteur, vous prenez le balais qu'on vous a vendu à l'église, vous prenez le, 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 le pochette, vous prenez les bracelets, vous prenez. Bien aimé dans le Seigneur, n'associez pas toutes ces salités dans l'affaire de la délivrance, parce que ce sont des pratiques qui sont tout simplement extra-bibliques bien-aimé dans le Seigneur vous n'avez pas tout cela vous avez que besoin du nom de Jésus si vous associez des petites choses comme ça si vous vous êtes si vous êtes devenu des Clients de vos pasteurs pour acheter des choses aveuglément, sachez-le que vous avez déjà l'esprit d'envoûtement. Je vais revenir sur l'esprit d'envoûtement parce que voilà, il faut que je revienne encore ça pour vous montrer comment les gens sont envoûtés, même dans des assemblées. Nous n'avons pas besoin de connaître les noms, le mandat, le CV des démons. Arrêtez de poser la question aux démons Quel est ton nom Combien de temps tu, tu opères dans ton, dans ton carrière, dans, dans, dans ta profession Combien Bien aimé, nous n'avons pas besoin de dialoguer avec les démons. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de rare. Je dis bien de rare. Il y a des cas rares où il y a cet échange peut-être avec l'esprit. Mais je dis bien ce sont des cas rares. Nous n'avons pas besoin de parler avec eux. Ils ont besoin d'être chassés au nom de Jésus. C'est pour cela que je dis, il ne faut jamais entrer en dialogue avec un démon de peur de se faire rouler. Ce sont des esprits très intelligents. Ce sont des esprits de séduction. Ce sont des esprits qui savent bien baratiner. Ce sont des esprits bien-aimés dans le Seigneur. Ne faut jamais faire confiance à ce qu'ils vous disent. C'est pour cela qu'il n'y a pas les rapports entre les ténèbres et la lumière. Notre point commun est qu'il y aura bataille après cette bataille et ils vont déloger, ils vont quitter la personne. L'air en prise sera brisé au nom puissant de Jésus. Donc bien-aimés, n'établissez pas un dialogue parce que je vois les gens aiment bien dialoguer avec les démons pourquoi vous voulez dialoguer avec les démons pour en tirer quoi vous voyez bien aimé dans le seigneur donc il faut chasser les démons il faut pas lui laisser il y a des démons qui sont bavards il va vouloir commencer à parler tu le dis tu t'es au nom de Jésus quitte cet endroit bien aimé dans le seigneur tu le fais tu le fais et, et terre au nom puissant de Jésus. Laissez-moi vous dire, vous avez l'autorité au-dessus de ces esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de prêcher, et il y a un démon qui s'est manifesté et ce démon s'est levé avec violence. Le frère sont allés et, 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 toucher la personne pour essayer de la maîtriser. Les démons étaient de plus en plus violents, menaçants. Il a dit qu'il va me taper, il va me faire du mal. Je dis aux frères, laissez-lui, laissez-lui que personne ne lui touche, sinon il va continuer à s'exciter. Laissez-lui comme ça, bien aimé. Et cette personne venait à moi avec violence. Tous les frères qui étaient là, l'ensemble était dans la peur croyant que ce démon allait faire quelque chose. Moi, je laissais ce démon était en train de venir. Et juste quand il est venu à quelques deux mètres de moi. Hallelujah! J'ai crie au nom de Jésus! Agez-nous au nom de Jésus, parce que la Bible nous dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé. Les démons, lorsque vous avez l'autorité, lorsque vous avez le nom de Jésus, quelle que soit sa fureur, bien-aimé dans le Seigneur, il finira par fléchir les genoux. Et les démons, avec sa fureur, ils ronflent, ils grondaient, ils faisaient, j'ai dit, agez-nous au nom de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, le, le démon s'est mis à genoux et toute l'ensemble a poussé un cri de gloire pour rendre honneur, gloire, majesté à notre Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, donc il ne faut pas... Au fait, écoutez les démons. Il ne faut pas suivre ce qu'ils sont en train de faire. Soyez concentrés et déterminés à lui chasser. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. ne faut jamais répondre aux provocations, aux insultes, aux moqueries des démons. Les démons, je vous ai dit, ils sont très dangereux. Peut-être dans la séance de délivrance, ils peuvent commencer à se moquer de vous. Ils peuvent commencer à vous insulter. Ils peuvent commencer à vous dire des choses. Ils peuvent même créer un mensonge tout autour là pour créer la division entre vous. Les démons sont capables de beaucoup de choses. Ils peuvent inventer quelque chose là. Ah, tout le monde commence à se regarder. Ah, mais comment c'est comme ça C'est quoi cette affaire là Or que les démons. A provoquer quelque chose pour vous mettre en dissension. Et il sait que lorsque vous êtes en dissension, vous ne pouvez plus lui chasser, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur, il faut rester vigilant face aux esprits méchants, bien-aimé, dans le Seigneur. Il ne faut pas suivre leurs provocations. Il peut commencer à vous insulter, bien-aimé, dans le Seigneur. Je me rappelle pour la première fois lorsque je chassais un démon, c'était deux ans après ma conversion. Mon, mon frère Lazare, celui qui m'avait prêché la parole de Dieu, il m'a dit, Blaise, on va quelque part, on va prier pour une sœur. Nous sommes arrivés là-bas, bien-aimés dans le Seigneur. On a commencé à prier, on a allumé un grand feu. Et tout d'un coup, la sœur, les démons qui étaient en elle, s'est manifestée, bien-aimés dans le Seigneur. Et le frère Lazare m'a dit, Blaise, chasse ces démons. Moi, je vais parler aux gens qui sont derrière, euh, dehors, bien-aimés dans le Seigneur. Je croyais que le frère faisait une blague, il ne faisait pas une blague, il est parti bien aimé, il m'a laissé avec la personne possédée bien aimée dans le Seigneur. Et là je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ici, la première des choses, je vais bien regarder la porte de secours. J'ai bien regardé la porte de, de, de sortie parce que je me suis dit, si ça barde ici, je vais prendre la fuite. Mais à moi, il y a quelque chose qui me disait, il te fera rien, tu as l'autorité et le nom de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait même pas le temps de converser vraiment avec Lazare pour lui convaincre de rester. Donc j'étais obligé, bien aimé dans le Seigneur, de chasser ces démons au nom de Jésus. Et quand j'ai commencé à lui chasser, écoute ce que le démon me dit. Hm? Toi, là, tu ne sauras même pas me chasser parce que tu n'as même pas l'onction. <laughs> Il m'a découragé. Toi, tu ne sauras même pas me chasser parce que tu n'as même pas l'onction. Bien aimé dans le Seigneur, je lui ai dit... Onction ou pas onction, au nom de Jésus, tu vas partir. Bien-aimé, il boudait, il voulait pas me supporter. Mais à un moment donné, il commence à me dire, non, tu m'empêches, laissez-moi paix. » Et là, j'ai compris que bien-aimé, il était touché, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai commencé à accélérer encore, à pousser encore la prière, à prendre l'autorité. Et bien-aimé dans le Seigneur, le démon a fini par lâcher cette serre et parti. Après le frère Lazare est revenu. Il me dit, tu vois frère, j'avais confiance en toi. Je savais que Dieu t'avait ouin pour chasser les démons. Oh, Alléluia. Je suis en train de te dire, bien aimé dans le Seigneur, tu as reçu l'autorité du nom de Jésus pour chasser des démons. Laissez-moi te dire dans Jude au chapitre 1, le verset 19. Écoute ce que la Bible dit. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait les corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurié. Mais il dit que le Seigneur te réprime et, au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'il ignore et il se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le Vous Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous montre que Lorsque Moïse est mort, le diable est venu récupérer les corps de Moïse. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire de ces corps. Certainement, il allait créer une idolâtrie sur ces corps-là. Mais l'archange Michael est venu reprendre ces corps parce que Moïse n'appartenait pas à Satan. Et la Bible nous montre là que non, le diable, Satan a commencé à faire des insultes. Des paroles injurieuses vers l'archange. Mais l'archange n'a pas broché. Il n'est pas entré dans son jeu. Il a dit que le Seigneur te réprimande. Son objectif était de récupérer les corps et de répartir avec ces corps. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous êtes dans une confrontation de puissance avec les démons, ne suivez jamais leurs moqueries, leurs injures. Leurs, ça, c'est pour vous distraire de ne pas atteindre votre objectif. Vous restez. Dans votre objectif, c'est la délivrance. Ne répondez pas à leurs attaques, ne répondez pas à leurs insultes, ne répondez pas à tout cela. Il faut avoir la foi et la confiance en Dieu pendant la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la fureur, la méchanceté, les démons peuvent se présenter comment Bien aimé dans le Seigneur. Faites confiance. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le Système de Contrôle, Le Triomphe de la Croix, L'Armageddon, Le Principe Universel du Choix et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et Remède, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici les poux, 100% Jésus Christ, 100% gratuit. Chasser un démon, c'est aussi un domaine de la foi. J'ai la foi que au nom de Jésus que je suis en train d'utiliser les démons va partir. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur c'est quelque chose de la foi. Il faut avoir la foi que au nom de Jésus les démons va partir. Si vous avez la foi, quels que soient les démons, vous finirez par lui déloger au nom puissant de Jésus-Christ parce que en réalité, vous vous ne faites que obéir à la parole de Dieu qui met sa foi à la parole de Dieu, le Seigneur ne lui laissera pas. Dans ces combats, c'est le Seigneur qui nous a dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Toi, tu n'as fait que suivre ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est tout à fait normal que Dieu vous donne la victoire en nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah Bien-aimés, il faut toujours compter sur l'autorité que Christ nous a donnée, car ce ne sont pas les cris ou notre courage qui compte mais c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ qui fera partir les démons. Beaucoup de gens s'appuient sur leur cri. Bien aimé, vous pouvez crier 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 et la voix va se casser pour rien. Beaucoup de gens sont encouragés. Les histoires de la délivrance, la délivrance n'a rien à voir avec le courage et les cris. La délivrance, il faut compter sur l'autorité de Jésus-Christ et avoir la foi. Je dis Comptez sur l'autorité de Christ et avoir la foi. J'ai dit bien, compter sur l'autorité que Christ nous a donnée. Soit tu y as l'autorité, soit tu, tu n'as pas l'autorité. Bien aimé dans le Seigneur. Le courage dans ce domaine, tu peux <laughs> tu peux risquer gros. Hein? Ce n'est pas un domaine de courageux, c'est un domaine de foi. Hein? Tu peux être courageux, mais il y a des choses qui ne demandent pas de courage. Ça, ce n'est pas le courage. Ça, c'est le problème de la foi. Avoir l'autorité. Avez-vous l'autorité ou vous n'en avez pas Si vous n'en avez pas, bien aimé dans le Seigneur, euh, votre courage va va vous tourner un tour. Vous voyez vous Voyez, bien aimé dans le Seigneur, ne comptez pas sur votre courage ou des cris. Non. Ne comptez même pas sur le nombre. On est nombreux. Non, 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 non. non. J'ai vu des délivrances où les gens sont nombreux, mais rien ne s'est passé. Je me rappelle d'une histoire où, bien aimé dans le Seigneur, tout un grand groupe de jeunes était là en train de chasser un démon dans la vie d'une sœur. Ils ont chassé, ils ont chassé, ils ont chassé, bien aimé dans le Seigneur. Rien ne s'est passé. Ils étaient fatigués. Et là, ils ont vu un pasteur était en train de passer bien, mais dans le Seigneur. Ils ont dit au pasteur, pasteur, nous sommes fatigués, on a chassé ces démons, les démons ne veulent pas partir. Le pasteur les a dit, où est la personne possédée On l'a amené vers la personne possédée. Ça n'avait même pas fait cinq minutes, bien aimé. Le démon est parti. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, là-bas, il n'y a pas le problème de courage. C'est l'autorité. Avez-vous l'autorité ou vous n'en avez pas Voyez, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un grand nombre qui fera partir les démons. Non, 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 bien aimé dans le Seigneur. C'est l'autorité et la foi que nous avons en... Jésus-Christ qui fera partir les démons. <laughs> J'espère que vous êtes en train de bien comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on est en groupe, lors d'une délivrance, laissez une personne prendre les devants en face des démons et que les autres la soutiennent. Il ne, faut, il ne faut jamais procéder en désordre. Je vois souvent les démoniaques et là, tout le monde vient en désordre. Tout le monde lui donne des ordres. Tout le monde. Non, 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 bien aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. Ça, c'est un désordre. Ça, c'est un désordre. Il faut que vous laissiez une personne prendre les devant. Ça, c'est l'expérience qui vous parle. Vous allez me dire, mais ouais, ouais. C'est l'expérience qui vous parle. Lorsque vous avez un cas de, de démons. Laissez peut-être la personne qui est plus mature, la personne qui est plus outillée. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, lui, il va prendre les devants. Soyez en face, je dis bien, soyez en face de la personne qui est... Et là, les autres, soit vont l'entourer, ou bien les autres vont être tout autour de lui pour le soutenir, pour l'accompagner, bien aimé, dans le Seigneur. Il faut qu'une personne donne des ordres. Il faut qu'une personne puisse... Conduire cette opération, c'est ça de l'ordre aussi. Ce n'est pas un désordre, bien aimé dans le Seigneur, celui-ci lui -ci, il crie, celui-ci lui il donne des ordres, celui-ci lui il donne de Mais non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Même lorsque nous sommes dans les combats, il faut que nous soyons disciplinés, il faut qu'il y ait des ordres. Voilà pourquoi lorsque nous faisons des délivrances, si moi je suis fatigué, je passe les relais à une autre personne. Je dis, frère, vous pouvez prendre les devants. Vous voyez, en ce moment, moi, je me retire un tout petit peu. Une autre personne peut prendre les devants. C'est comme ça, ça doit se faire. Et nous autres, nous sommes en train de les soutenir. Nous sommes en train d'allumer le feu. Nous sommes en train de pousser, bien-aimés, dans le Seigneur. Sinon c'est un désordre, bien aimé. Je vis des délivrances où il y a une autre maman est venue toucher la tête de la personne. Il bougeait la tête. Il entre le tirer les pieds. Oh, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de commencer à tirer, à faire ceci. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez besoin de parler. Là-bas, il s'agit de parler, de prendre autorité au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé bien dans le Seigneur. De préférence, la personne qui exerce l'autorité doit rester devant la personne. Des livres pour voir ses réactions, aussi surveiller ses faits et gestes. Vous voyez, il faut que vous soyez devant la personne. Vous voyez, mais pas peur. <laughs> Beaucoup de gens ont peur de rester en face. Il a peur des mots Vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur. rester en face de la personne. Et ça va vous aider à surveiller ces faits et ces gestes, bien-aimés dans le Seigneur. Ça va vous aider à voir les réactions de ce que vous êtes en train de faire. C'est important, bien-aimés, dans le Seigneur. Évitez de laisser les démons faire des gestes ou des actes bizarres, des natifs à incanter, scandaliser, déconcentrer, démoraliser ou distraire les frères. Vous voyez quand vous êtes en train de chasser un démon, c'est lui qui est en train de mener les débats, lui qui est en train de prendre le devant, de commander, je veux dire. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, celui qui, a, qui est revêtu de ses mandats, de commander que les autres le soutiennent, tu dois éviter de laisser le démon faire des choses bizarres, bien aimé dans le Seigneur. Des fois, les démons, ils mettent les mains dans leurs euh, oreilles comme ça. Au moment où il est en train de demander le secours, il parle avec d'autres démons, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pour cela, vous voyez, la délivrance devient compliquée parce que d'autres démons qui étaient tout autour dans des personnes, ils viennent d'abord renforcer leur ami ici qui est en danger. Vous voyez, bien-aimés, il faut éviter de telles choses. Il faut éviter, il faut garder la personne toujours dans une très bonne position. Vous voyez Éviter, bien aimé dans le Seigneur. Nous étions dans une délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Et cette sœur, elle, était, elle, était, elle avait un démon de séduction, bien aimé dans le Seigneur. Et pendant la délivrance, bien aimé dans le Seigneur, les gens étaient un tout petit peu emportés dans la délivrance. Et la sœur a tirez les habits là laisser voilà tout euh, voilà vous comprenez bien aimé elle était toute ni bien aimée dans le Seigneur le temps que les gens viennent pour la couvrir bien aimé c'était déjà un scandale et là je vous dis des des, des, des situations comme ça Pe créer au fait des désordres dans les pensées des gens. Voyez, vous êtes dans un combat spirituel en train de chasser un démon et là, la sœur vous montre ses parties intimes bien aimées dans le Seigneur. Les gens sont perturbés, Ça paix bien aimée dans le Seigneur Faire à ce que beaucoup de gens n'arrivent plus à se concentrer ainsi de suite. Vous devez être trop, trop prudent dans des choses qui peuvent décourager. C'est pour cela, lorsque nous chassons des démons, il faut qu'il y ait des sœurs tout autour. Lorsqu'il s'agit d'une sœur, essayez de les mettre une panne, de, de, de bien les, les, la, la tenir, bien-aimé dans le Seigneur, pour que vous voyez, de tels scandales ne se manifestent pas, sinon ça risque de déconcentrer ou bien d'amener d'autres choses qui peuvent bloquer la délivrance. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être trop prudent. Ne faut jamais croire aux mots que les démons vous disent parce qu'ils sont capables de semer la zizanie et les doutes entre le frère. Ne faut jamais croire à ce que les démons vous disent. Nous étions dans une délivrance. Les démons se sentent menacé, bien aimé. Il dit à un frère qui était là "Toi d'abord, tu t'es tu viens de coucher avec une femme. Bien aimé dans le Seigneur." <laughs> les gens ont laissé les démons pour se tourner vers ses frères. Mais c'est quoi cette affaire? ben le frère dit: Mais non, moi je ne suis pour rien dans cette affaire. Mais ça a créé une sorte de doute bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Mais faut jamais croire. ne faut jamais donner du crédit à ce que les démons vous disent, n'importe comment bien aimé dans le Seigneur. Voilà, les démons voulaient mettre la dissension. Ils voulaient semer les doutes entre nous voyez, pour que nous soyons perdus et que lui, il continue à rester. Heureusement, nous étions sages, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons dit, non, 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 ça, on ne t'accepte pas bien. On ne t'accepte pas, quitte le corps. voyez, bien-aimés dans le Seigneur, évitez de faire la délivrance avec des personnes faibles ou douteuses par rapport à leur marche, car les démons sont capables de faire des dégâts avant de partir éviter, bien aimé, dans le Seigneur, de faire des délivrances avec des personnes faibles, avec des personnes douteuses, bien aimé. C'est pour cela, bien aimé, dans le Seigneur. Quand je veux faire la délivrance, je dis, celui qui ne va pas s'y porter, il n'a qu'à partir. Laissez les personnes qui se sentent, euh, voilà, si la personne dit que non, moi je ne saurais pas, mais lui, faut que ce pas, bien aimé, chaque chose a son temps. Il arrivera un temps où il va s'y porter. Mais s'il dit qu'il ne s'y porte pas, laissez-lui des côtés, bien aimé. N'allez jamais dans la guerre avec des peureux, avec des gens qui ne sont pas sûrs. Des, tu risques de créer des dégâts, bien-aimés, dans le Seigneur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur Donc, il faut éviter des personnes douteuses. Vous voyez la marche de ces frères, ce n'est pas une bonne marche. Ne faut pas l'amener. J'ai déjà vu dans une séance de délivrance, bien-aimé. Nous, nous étions en train de chasser un démon. Le démon est sorti dans le frère. Il est entré dans un autre frère. Nous avons vu le frère ici. Pouh! Le démon est parti. Et celui-ci tombait par terre. Quand on a observé, on a vu que le démon qui était ici, il est entré là-bas. Voyez. Par après, on a vu que la marche de cette personne, ce n'était pas une bonne marche. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très, très attention. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, si vous allez dans la délivrance n'importe comment, il peut y avoir des dégâts. Évitez des personnes non sûres dans des séances de délivrance. Il faut toujours être à l'écoute du Saint-Esprit pour éviter tout désagrément et pallier à toute éventualité. Lorsque vous faites la délivrance, écoutez beaucoup plus le Saint-Esprit vous parler. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il est important d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous inspire. Séance euh, ténant, euh, 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 en train de chasser les démons, le Saint-Esprit te dit Non, ne fais pas ça, tu vas faire ça. Il faut avoir de l'écoute du Saint-Esprit. C'est très important. Il faut bien être attentif et bien observer en écoutant le Saint-Esprit pour savoir si le démon est parti. Le démon peut vous dire, je pars, je pars, je pars. Et puis vous voyez calme. Vous vous dites, non, c'est fini, ma sœur, relève-toi alors que les démons n'étaient pas partis Il vous a trompé je vis des gens qui se sont fait avoir comme ça et puis le lendemain vous priez pour la personne tombe les démons n'étaient pas partis bien mais vous lui avez crié par parole on ne croit pas aux démons par parole nous Constatons que le démon est parti. Comment nous constatons que le démon est parti C'est par l'esprit, le, le, le discernement des esprits. Vous devez avoir le discernement des esprits. Et en force de travailler dans ces domaines, vous allez remarquer vraiment, effectivement, le Saint-Esprit va attester dans votre cœur, avec le discernement des esprits, que réellement l'esprit est parti. Vous voyez bien aimé, des fois vous allez voir la personne a repris directement conscience. Des fois, vous pouvez voir la personne directement commencer à prier en esprit. La personne peut commencer aussi à louer le Seigneur. La personne peut commencer qu'il vous comprenez tout de suite que non, la puissance qui l'a liée qui qui l'a lie vient de partir. Donc, il faut être très prudent de ne pas croire au démon ou par mot Je suis parti, je suis parti. Et vous aussi, vous croyez euh, voilà. Pour ceux qui sont appelés à faire de la délivrance face à face. Ou physiquement avec les démons, ils ont grandement besoin de développer les dons de discernement des esprits et les dons des paroles de, parole de connaissances. Vous voyez, si vous voulez vraiment chasser des démons de temps à autre, c'est donner beaucoup dans la délivrance, ainsi de suite. Vous devez beaucoup développer les dons de discernement des esprits, des paroles de, parole de connaissances et des paroles de sagesse. Bien, mais c'est important. Ces dons vont vous aider pour bien comprendre les choses dans des combats spirituels et aussi pour ajuster des choses pendant la délivrance. Vous voyez, il faut aussi bien vivre une vie de sanctification. Vous devez avoir une sanctification élevée. Vous ne pouvez pas vous lancer dans des combats spirituels avec une petite sanctification. Non, vous devez avoir une vie de sanctification, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut vraiment avoir une vie de prière. Quand je parle à une vie de prière, je vois une vie de gêne, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez gêner à tout moment, bien-aimé. Gêner beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. N'attendez pas un démon pour gêner. Non, ça n'a pas de sens. Gêner avant. Quand vous verrez les démons, vous n'aurez plus besoin de gêner. Vous allez les chasser parce que en vous il y a déjà ce stock là puissance cette capacité vous êtes vraiment bien armé par rapport à votre, au travail que vous voulez faire vous voyez vous devez avoir aussi de la Connaissance biblique, parce que la connaissance biblique, c'est ça ce qui va vous guider. C'est ça ce qui va vous, au fait, vous, vous servir comme des boussoles. Vous voyez? C'est ça ce qui va vous servir comme des repères. Mais quand vous n'avez pas les connaissances bibliques, comme un jour, nous étions dans une délivrance, bien aimé dans le Seigneur, le démon résistait. Une maman est venue, là a ouvert les, la bouche de, de la personne possédée, il dit, je te fais boire le sang de Jésus. Ah ben non, bien aimé dans le Seigneur, ça se passe pas comme ça. ça c'est pas moi, bon je dis non, 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 ça c'est anti-biblique. Comment tu peux lui faire boire les le sangs de Jésus Ça n'a ça pas de sens, bien aimé, c'est anti-biblique, bien aimé, dans le Seigneur. Vous voyez, vous allez voir, bon, maintenant nous allons brûler les démons au nom de Jésus. nouveau. Mais non, on brûle on les démons comment <laughs> Comment on va brûler le démon Ce n'est pas encore le temps de le brûler. Il sera brûlé dans le feu éternel, bien-aimé. Ce n'est pas encore le temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur, s'il n'y a pas la connaissance biblique, les gens vont partir dans tous les sens. Ce n'est pas bien. Il faut que ceux qui font la délivrance puissent avoir de la connaissance biblique, bien-aimé, dans le Seigneur. Sinon, ça sera de n'importe quoi. Alors... Ne jamais prendre la délivrance pour un jeu, pour habitude ou à la légère, car le diable peut vous surprendre. Ne faut jamais prendre la délivrance comme un jeu à la légère. Les diables peut vous surprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes en train de lutter avec des esprits méchants. Vous êtes en train de combattre avec des esprits méchants. Je dis bien, vous êtes en train de combattre avec des esprits méchants. Donc, ils sont en colère le fait que vous êtes en train de les déloger. Ils sont en colère le fait que vous êtes en train de troubler leur quiétude. Ils sont en colère le fait que vous êtes en train de libérer leur proie. Donc ne prenez jamais cette histoire à la légère. Ne faut jamais prendre ça comme un jeu. Là-bas, il n'y a pas un jeu. C'est un domaine extrêmement dangereux. Donc, il n'y a pas de jeu, sinon vous risquerez d'être surpris, bien aimé dans le Seigneur. Il faut toujours garder à l'esprit et être conscient que la délivrance est un combat réel, une confrontation de puissance entre deux royaumes. voyez, gardez toujours en esprit que vous êtes en combat et continuellement prier parce que c'est une confrontation réelle entre deux royaumes. Il faut vraiment ne pas perdre de la vie que nous sommes dans un combat. Dès l'instant où vous enlevez cette pensée que nous sommes dans un combat, vous devenez un peu vulnérable parce que vous, vous vous dites comme si c'est un repos, comme si c'est un jeu, comme si, ben voilà. Non, bien aimé, dans les combats, on est toujours aux aguets, aux aguets. Et laissez-moi vous dire, une séance de délivrance peut mal finir si Dieu n'est pas, avec vous. Une séance de délivrance peut mal finir si Dieu n'est pas avec vous. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand vous lisez par exemple dans Actes des Apôtres au chapitre 19, vous connaissez tous l'histoire, Actes 19, 13, 17, quelques exorcistes juifs, en bilan, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant, je vous conjure, par Jésus-Christ que Paul prêche, ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva. Ils étaient sept, les nombres étaient considérables, bien-aimés. <laughs> Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous La Bible dit, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nu et blessée. Cela fit connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse et s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus Christ était glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur. Voyez bien-aimé les gens qui se sont hasardés. J'ai dit qu'une séance de délivrance, si Dieu n'est pas là, ça peut mal finir. Ces gens, ils ont pris de l'audace. La délivrance n'a rien à voir avec l'audace. Ils ont pris le courage. Je dis la délivrance n'a rien à voir avec le courage. Ils ont crié. C'est bien de crier, mais c'est pas ce qui est le plus important. L'autorité et les pouvoirs. Avez-vous l'autorité et le pouvoirs? Si vous avez, vous agissez. Si vous n'avez pas, bien aimé, ça ne vous concerne pas. Et ils en avaient pas. Ils ont seulement entendu que Paul chassait ceci cela. Eh ben, les démons l'ont roué des coups. Ils sont partis de cet endroit nu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Ni ils ont pris fuite ni beaucoup de gens ont récit des maladies. Ils sont allés chasser les démons, n'importe comment. Ils ont reçu des maladies, ils ont reçu des attaques. C'est pour cela, bien aimé. Il faut toujours demander la protection de Dieu avant, pendant et après la délivrance, car les démons sont capables d'attaquer ceux qui les ont délogés, même après la délivrance. Vous voyez bien, aimé, dans le Seigneur, même après la délivrance, les démons sont capables de vous chercher. Un jour, on chassait un démon. On chassait. Euh, en tout cas, quand on grandissait, quand on était encore jeune, notre, on avait une passion terrible pour chasser des démons bien aimés dans le Seigneur. Et là, on chasse un démon. Le démon dit, il appelle un frère, il lui dit, toi, tu sais que c'est la deuxième fois que tu es en train de me menacer et de me chasser. Mais je te dis que nous allons t'avoir. Nous, on a ri, on a prié, on a chassé les démons. Mais après. Ce frère-là, il est tombé dans une vie de débauche, d'impudicité Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais relevé sa vie. C'est fini, il a fait naufrage, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, nous on a crié que non, il faisait... Alors qu'il a dit vrai. Il est... Ils étaient en train de préparer des coups contre lui. Le frère, on a chassé des démons, on a chassé des démons, mais quand il est, il est Tombé dans une vie de désordre, il a été récupéré et puis plus jamais dans des choses de Dieu, il est bon. Dans d'autres choses, bien aimé. Les choses de Dieu, c'est fini. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, nous devons demander la protection de Dieu. Il faut que Dieu nous protège demander la protection avant Panda et après la, la, la délivrance. Parce que beaucoup de gens ont des coups, beaucoup de gens ont des attaques. Quand vous délivrez quelqu'un qui était sous l'emprise de l'ennemi, il était bénéfique pour le royaume des ténèbres. Vous, vous venez déloger le royaume des ténèbres. Sachez que le royaume des ténèbres ne sera pas content contre euh, pour vous. Vous devez, bien aimé dans le Seigneur, être blindé, rester sous la protection de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Une séance de délivrance peut mal finir si Dieu n'est pas là. Je me rappelle, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, mes amis sont allés chasser, y chasser un démon. Euh, Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un garçon qui avait des guerriers, des démons guerriers, parce que c'était un garçon qui aimait la bagarre. Il prenait des fétiches, des talismans pour des têtes dans les vides, pour des ambagorines, pour des, voilà des esprits méchants, des batailles, des combats. Bien-aimé dans le Seigneur, et ce garçon, voilà, il est venu dans une croisade d'évangélisation qui était faite quelque part et pendant la prière il est tombé. On l'a amené dans la salle des de, de prières et pendant la les démons se, se sont manifestés, bien aimés dans le Seigneur. Les esprits guéris ont commencé à taper les gens, bien aimés dans le Seigneur. Toute la salle a fui, il est resté. Il est resté lui seul dans la salle et le frère commençait à chasser les démons dans la fenêtre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais ils avaient déjà vidé la salle. Il a fallu aller chercher des frères qui avaient quand même des biceps, des frères quand même, voilà, frères remplis du Saint-Esprit avec des biceps pour venir calmer la situation. Voyez bien mes dans le Seigneur. C'est que la délivrance, ce n'est pas un jeu. La délivrance, ce n'est pas une blague. Vous pouvez entrer dans une maison et ne plus ressortir. Vous pouvez mourir, vous pouvez attraper la folie, vous pouvez être frappé, mais nous bénissons le Seigneur. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a aucun esprit qui va nous résister. Il n'y a aucun esprit qui peut nous faire du mal parce que nous avons reçu le mandat de l'air chassé au nom puissant de Jésus. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute les puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Hallelujah. La Bible dit celui qui tient la clé des vivants et des morts. Dieu est le Tout-Puissant. Si vous avez la foi en votre Dieu, vous marcherez sous ses esprits. Vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce merveilleux moment. Aujourd'hui, je voulais vraiment mettre... Au service des saints, l'expérience que j'ai à la matière de la délivrance, afin que vous soyez équipés. Nous allons prier. Seigneur, je prie que mon frère, ma soeur soit conscient. Je prie que tu montres à mon frère, que tu révèles à mon frère l'autorité, la connaissance qu'il a que tu nous as donné au nom de Jésus, la puissance que tu nous as donné au nom de Jésus. Beaucoup, oh mon Dieu, tremblent, beaucoup non, ne sont pas sûrs, beaucoup, oh mon Dieu, doutent, beaucoup croient que ces esprits sont plus puissants que nous. Oh Seigneur, alors que nous allons commencer à prier, lorsque de telles choses se manifesteront, lorsque nous allons menacer le royaume des ténèbres, que le diable n'efface pas douter tes enfants. Que notre foi soit posée sur toi au nom de Jésus. Nous savons, oh Dieu de gloire, tu nous as déjà donné la victoire et nous marchons dans cette victoire. Nous allons chasser ces esprits. Nous allons libérer nos frères. Nous allons libérer nos sœurs. Nous allons libérer nos maisons. Nous allons libérer nos familles. Nous allons libérer nos couples. Nous allons libérer nos amis. Nous allons libérer tout ce qui est à nous au nom puissant de Jésus et rien n'est perdu nous résister, nous proclamons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Nous bénissons ton nom au nom puissant de Jésus, notre Maître, notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans sa présence. Je vous bénis et merci pour l'amour et l'attachement à la parole véritable, à l'évangile véritable. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour vos soutiens et pour tout. Merci. Si vous avez besoin de nous, contactez-nous dans ce numéro WhatsApp. Nous ne manquerons pas de parler avec vous. Je vous bénis et je vous laisse dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi parlé. Amen.